vous invite à prendre vos Bibles. Il y a eu aujourd'hui 3 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons lire dans le livre de Jean 16, Jean chapitre 16, verset 33. Merci Daniel, ce soir, commande. Je vais lire au nom de Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Par cette parole encourageante, je voudrais tout simplement dire merci. Et je comprends aussi que tout à l'heure, mon peuple comprendra pourquoi tu as vaincu le monde, ou peut-être on le sait, mais chaque jour, ta parole n'a pas changé. Sois avec nous. Laisse que la paix, ton amour soit en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de mon message, que faire quand on marche sur vos plates-bandes? Quel devra être notre comportement ou comment devons-nous réagir si quelqu'un nous fait subir des choses inconcevables. Quelle sera ton attitude? Le but, c'est que Jésus, ici, en train de s'entretenir avec ses disciples, et en même temps, il considérait, il leur donnait, il prodiguait des conseils. Et Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de prodiguer? La paix. Mais qui sera sa paix à lui. Il y a paix et paix. Une personne qui est riche, il est en paix. Alléluia. Il pense qu'il peut s'offrir tout. Là, il est en paix, mais quelle paix? Ce sera sa paix à lui. Mais si cette personne fait faillite, vous allez voir qu'il va déprimer, il finira où? En psychiatrie. Il va déprimer. Mais quand tu as la paix du Seigneur, quoi qu'il arrive, tu reconnais que j'ai la paix du Seigneur. Amen. Quand tu connaîtrais la haine, il peut arriver que Jésus est en train de leur dire que vous connaîtrez parfois la haine. Vous connaîtrez parfois de persécutions. La condamnation est justifiée. Parfois, on vous condamne sur quelque chose que tu n'as pas fait. Mais tu es condamné. Et parfois, même qu'on te torture. Et bien aimé, ces choses-là, Jésus est en train de dire, prodiguer des conseils à ses disciples. Il dit que moi j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Donc, c'est un calvaire. Et il faut comprendre, bien aimé, le sens de la mort de Jésus à la croix. Et on ne sait pas. Qu'est-ce qui fait que la Bible nous dit dans le passage de Colossiens 2, versets 14 à 15? Il est en train de dire que l'ordonnance qui nous condamnait, cette ordonnance a été effacée. Ça veut dire que quand on efface une ordonnance ou des écrits, est-ce qu'on peut retrouver des écrits? Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que l'ordonnance que Jésus avait effacée? Et il dit que tous les acteurs du mal avaient été vraiment à la fin, à la croix, ils étaient complètement retirés de leur pouvoir. Il les a retirés tout. Ils n'avaient rien maintenant après. Hein? Il les a dépouillés. Hein? Toi, il n'y avait plus rien, plus rien. Maintenant, toi, peut-être que par ton ignorance, tu crois que cela ne se marque pas dans les Écritures. Parce que Jésus, s'il a dit cela, pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai des problèmes en banque? Pourquoi je suis persécuté? Pourquoi? Mais Jésus te l'a dit. À la croix, l'ordonnance qui te dit que tu dois avoir des soucis, tu vas vivre des échecs, cette ordonnance a été effacée. Sauf que maintenant, le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'ignorance de cette parole. Mais là, il t'arrive le problème, tu oublies cette parole. La parole qui dit, quand pour
pourquoi nous avons toujours tendance, nous chrétiens, de mettre les sorciers devant nous. Les sorciers, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Maintenant, le problème qui arrive, tu commences à être nostalgique. Ah, peut-être c'est ma tante, peut-être c'est mon père, c'est pas peut-être mon oncle. Mais Jésus te dit, à partir du moment que tu l'as confessé comme étant ton Seigneur et Sauveur, mais tu es en lui, tu es sauvé. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi qui est en Jésus. Dit amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Maintenant, les choses, ça ne se passe pas de la même façon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Le problème, c'est ton ignorance. L'ignorance de cette parole. Maintenant, tu dois toujours vivre dans ce que le vie. Pourquoi nous avons toute tendance, quand tu trébuches, ah, le diable m'a attaqué. Il suffit que tu sois fatigué. Ah, ces derniers temps, le diable m'a attaqué. Oh, mais laissez le diable, nous avons fait notre choix. Notre choix, c'est qui? Jésus. Jésus est mon sauveur. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, c'est ça. C'est la désobéissance, c'est quoi? Voilà le deuxième problème. C'est la désobéissance. Parce que la Bible te dit, comporte-toi comme ça, aime ton prochain, ne critique pas, ne sois pas dans tout ce qui est les œuvres de la chair. Toi qui pratiques la chair. C'est ça qui fait que ta désobéissance t'amène à rappeler. Si dans le couple, on dit femme, qu'est-ce qu'on dit pour la femme? Quand on dit mari, qu'est-ce qu'on dit pour le mari? Mari aime ta femme. Le mot j'aime, ça ne devrait pas venir de la femme. Le mot j'aime, je t'aime, viendra d'où? Du mari. Parce que la femme, dès que l'homme se pointe et qu'il dit que vraiment tu me plais, et si son cœur dit oui, il n'a pas le choix. Mais qui commence? L'homme. Mais maintenant les choses ont changé. Je ne sais pas comment ces choses ont changé, pourquoi Dieu n'a pas changé. Mais maintenant c'est les filles qui commencent à faire la cour aux hommes. Les choses ont changé. Moi, ma collègue m'a dit, mais mon mari, c'est moi-même qui lui ai fait un coup. Je dis, comment ça? Mais il n'arrivait pas à m'aborder. Il était tellement timide et moi j'ai pris d'avance. Oh, j'ai dit, mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, même 100 jours, je ne sais pas quoi, même si la femme est prête, elle est amoureuse et n'avancera pas. C'est toi l'homme qui doit comprendre que cet homme, cette femme, ses yeux-là sont pour. Il y a quelque chose. Et maintenant tu vas faire. Mais les choses ont changé. Alors c'est changé par rapport à quoi? Où c'est écrit? Je ne sais pas. Est-ce que la Bible change? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a dit à l'homme d'aimer sa femme. On a dit à sa femme d'être soumise. Ce n'est pas une soumission pour qu'on soit esclave. Parce que Dieu n'a pas dit que je t'aimais la femme pour que soit ton esclave. Il a seulement dit, je te donne une aide semblable. Et que toi, maintenant, c'est l'organisation, c'est dans le couple. On sait toujours qu'il y a un maître dans la maison, comme dans le bateau, comme dans l'avion. Il y a toujours un pilote, il y a toujours un capitaine, il y a toujours comme ça. Mais ça, c'est l'organisation. La femme devient l'aide spécialisée. Chérie, on fait comme ça? Non, on ne fait pas chérie. Parce que toi, tu aimes le rouge, mais rouge, quand il fera chaud, ça va faire la maison comme ça. Ah oui, chérie, c'est comme ça. Donc maintenant, c'est notre ignorance, notre désobéissance qui fait que les choses changent. Regardez David et le roi Saül. Il est roi. Il pense qu'il est roi. Il pense qu'au-dessus de lui, il n'y a personne d'autre qui va donner des ordres. Qui domine, c'est lui. Et maintenant, le roi, on lui dit de ne pas faire le sacrifice. Il faut attendre que Samuel arrive. Lui, comme il est roi, Samuel était en retard. Parfois, ce n'est pas les retards. C'est les retards qui sont pour que ton cœur passe au creuset pour voir comment tu te prends. Quand on te donne quelque chose, il faut savoir comment tu gères. Et maintenant, le roi David, et pardon, Saül, et bien Saül, moi je suis roi. Samuel ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il accepte et il fait le sacrifice qui ne lui avait pas été autorisé. Mais là, Samuel qui arrive, et encore comme il est le roi, il entend dire, mais oui, mais je t'attendais. Mais pourquoi tu l'as fait? Mais oui. Vous imaginez les conséquences. Il a été comment? Il y a eu la déchéance.
déchu de sa royauté. Il va aller chercher maintenant l'emploi. On va aller chercher, on va aller trouver au pôle emploi. Toi qui étais roi, à cause de quoi? C'est ça qui fait que ce passage de Colossiens 2, versets 14 à 15, si ça ne marche pas, soit tu es ignorant de ce que cette parole te dit, soit tu es dans la désobéissance, Dieu te donne l'autorité de dominer sur le diable, sur tout ce qui peut te nuire, il t'a donné cette autorité, et toi tu as peur, tu cèdes à Satan, tous les signes qui se présentent autour de toi. C'est pourquoi que Jésus est en train de nous dire ici que nous devons savoir qu'il y aura des tribulations, il y aura des choses, de la tribulation. Il serait certain que d'être, si lui, il t'a dit que je suis vainqueur, j'ai vaincu le monde, c'est-à-dire que toute situation, quelle que soit, Jésus a vaincu le monde. Dis-le, Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Aussi avec la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Il va disposer d'une puissance en vue d'une endurance. Une endurance vient qui fera que tu vas avoir un courage nouveau pour affronter l'ennemi. Le Saint-Esprit avec toi, bam! Souvent, nous qui sommes d'Afrique, je ne sais pas d'ailleurs, parfois, il suffit seulement que tu as un regard d'un oncle ou parce que tu as demandé quelque chose que tu n'as pas fait. Et quand tu commences à avoir de mal ou de douleur ici, là, tu dis, ah, c'est mon oncle. Parce qu'il m'avait demandé quelque chose, ça n'a pas marché. Non! Le Saint-Esprit est en toi maintenant. Tu lui dis que celui qui est en moi est plus grand et plus fort. Ce n'est pas la parole de Dieu? Amen. N'est-ce pas que la parole de Dieu est puissante? Amen. N'est-ce pas qu'elle est pénétrante? Si Jésus dit que celui qui est en moi, celui qui est en toi est plus fort, tant que je suis en toi, n'ayez pas crainte. Je ne crains rien. Ma vie est entre tes mains. Alléluia. Bien-aimé, il faut penser à cela. Au travers de sa mort imminente, qu'est-ce que Jésus sait? Il allait rendre nul, sans effet, tout ce que l'ennemi va faire. Toute l'opposition du monde. Nul et sans effet, toute l'opposition du monde. Jésus en mourant à la croix, c'est ça, bien-aimé. Essayez de faire ça chez vous. Pensez simplement à dire que, mais pourquoi je crains? Il m'a dit, ne crains point. C'est marqué dans la Bible 366 fois. Tous les jours de ta vie, ne crains point. Le huissier viendra demain, ne crains point. Ton compte en banque est vide, ne crains point. Situation confuse dans un couple, ne crains point. C'est Bible qui le dit. Le Saint-Esprit en toi, il t'a dit que j'ai vaincu le monde. Toutes ces choses-là, par le Saint-Esprit, tu arriveras. Alors, bien-aimé, dimanche, cette semaine, vendredi, un frère est venu me voir. Et puis après, je dis, mais justement, comme je n'ai pas de véhicule, on m'a prêté un véhicule par Renault, mais bon. Je ne veux pas partir parce que je n'ai pas signalé mon assurance à l'assurance. Je ne veux pas partir sur Paris. On arrive à la gare, paf, deux minutes de vie venait passer. Notre train venait de passer. Oh, on va attendre encore une heure. Et le frère me dit, pasteur, je te conduis jusqu'à Paris. Je dis, non, ce n'était pas prévu. Il dit, non, pasteur, j'insiste. Nous sommes allés jusqu'à Paris, d'arriver vers Paris, vers la porte de la chapelle, sa femme qui appelle. Oui, mais chérie, tu es où? Alors, avec des mots. Très douloureux et doucereuse, doucereux, de mon mielleux, vraiment avec une douceur, ça prend pas. Mais chérie, tu es où? Et lui aussi, mais chérie, je t'attends. C'est l'homme se rappelle. Ils avaient que deux, une seule voiture, et sa femme, impérativement, il devait aller travailler. Oh là là, nous bénissons le Seigneur pour viser les deux voitures. Et bien, c'est parce que, mettant la femme, dès que l'homme a dit que. Je ne peux pas, chérie, je suis loin de la maison, je suis à Paris. Mais Seigneur, chérie, comment je vais faire? Mais bien aimé, comment on va traiter une situation comme ça? Elle n'a pas de solution, le mari n'a pas de solution non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, dans ce cas, l'homme m'a dit, mais chérie, prends un taxi. La femme a essayé de trouver le taxi, mais impossible.
dit, mais chérie, je ne trouve pas. Maintenant, l'homme qui dit, mais comment je vais faire? Et maintenant, la femme qui dit, mais oui, mais comment on va faire? Bien aimé, c'est une équation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, vous, vous avez le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre attitude? Et c'est la solution, ça? Parce que c'est très important son rendez-vous. Quelqu'un qui a dit, il faut prier. Rien qui s'efface que le Seigneur n'est pas au courant. Dites amen. Amen. Toute situation, quelle qu'elle soit, Dieu est au courant. Même s'il y a la mort, Dieu est au courant. Alléluia. Il fallait prier. J'ai lâché les mots à mon bien-aimé, j'ai dit, dis-lui que son cœur ne se trouble point. Mais ce ne sont que des paroles. On n'a pas la solution. Et tout d'un coup, paf, ma pensée, Dieu vous voit. J'ai dit, mais Dieu, mais j'ai ma voiture. Ma voiture à la maison. Tu dis, c'est pas ta femme d'aller à la maison de chez moi. Il y a les clés de prendre cette voiture-là, d'aller au travail avec. Mais comment il va faire? Des personnes chez moi, s'il faut qu'il marche, ça fera 30 minutes. Et son rendez-vous dans 30 minutes. Il n'y a pas de solution. La femme dit encore, mais comment je vais faire? Je dis, mais. Et pourtant, on a trouvé presque une solution. Une ébauche de la solution. Et quelques minutes plus tard, ma pensée dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui va chez moi pour aider ma femme à la couture. Eh bien, cette personne va aller chercher ma fille. J'ai dit à ma fille, mais tiens, appelle la personne qui viendra te prendre, de prendre une soeur qui est là et qui est venue à la maison et tu lui donnes mes clés de voiture et puis qu'il va avec ma voiture et comme ça, ça va résoudre le problème. Et au moment où on te le dit, au moment où on t'appelle, nous on rentre dans le parking, le mot qui dit, va chez moi ou sors pour aller chez ma fille. Et elle a entendu seulement ça. Communication coupée. Le Saint-Esprit avec nous ou pas? Au moment où je suis en train de trouver une solution, communication coupée. Dieu est vivant ou pas? Il est vivant. À la minute près, quand on est sorti du parking, j'appelle. Qu'est-ce que j'entends? La sœur se trouve chez moi à la maison. Donc, au moment où j'ai lâché les derniers mots, elle est sortie, elle a entendu les derniers mots. Sors, va chez ma fille. Amen, amen. Et ma fille, la personne est venue chercher, ils sont allés. Elle a dit, on souhaite tout ce qu'on a dit là. Elle est partie au travail. Elle est revenue. La solution a été trouvée. Amen. Voilà. C'est pour prier. La prière est notre puissance. Toi, tu entends, mais oui, mais comment on va faire? Oui, comment on va faire? Bien aimé, les soucis, c'est une maladie. Les soucis peuvent tuer, les soucis peuvent apporter de l'AVC, les soucis peuvent te donner l'angoisse, te déprimer. Mais quand tu confies ta situation au Seigneur, pour ceux qui ont lu mon livre, qu'est-ce qu'on a dit dans ce livre-là? J'ai dit que Dieu aime celui qui ne négocie pas avec le diable. Ne laisse pas, ne cède pas. Que ton cœur ne se trouble. Ouais. Jésus, qu'est-ce qu'il nous recommande ici? D'avoir. Répète la paix. La paix du Seigneur. Ce n'est pas la paix du monde parce que tout va bien, ton congélateur est prêt à manger, tout ça. Mais la paix du Seigneur. Quoi qu'il arrive comme situation, tu remets tout entre les mains du Seigneur. La prière est notre puissance. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est tranchante. La parole de Dieu est pénétrante. Donc voilà, il faut savoir. Bon, maintenant, dans une situation où quelqu'un est en train de marcher sur le plateforme, là maintenant, on se dit encore, mais comment faire quand la situation est dans, tu es dans une situation terrible? Comment tu vas faire? Quelle sera ton attitude quand maintenant tu sais que tu vis une situation terrible? Ton attitude face à ton adversaire. L'adversaire est là, en train de créer tous les problèmes possibles. Mais l'adversaire, ce n'est pas l'adversaire pour faire la boxe, mais c'est l'adversaire, l'ennemi, dans tout ce plan, il veut que rien ne marche. Mais toi, tu dois considérer l'adversaire comme ton, puisque Jésus a dit que j'ai vaincu le monde.
Alors, quelle attitude avoir? Souvenez-vous, quand un boxeur est sous le ring, et quand après le combat, le boxeur a donné un grand coup, l'adversaire tombe. Qu'est-ce qu'on dit? L'adversaire est KO. Quelle est l'attitude? Voilà l'attitude que tu dois avoir. L'attitude du boxeur qui vient de gagner, c'est une attitude de fierté. De vainqueur. De vainqueur. Voilà, c'est-à-dire, voilà, tu as eu le coup qu'il fallait, et voilà comment il sort du ring avec fierté. Et l'adversaire tombe, il le regarde avec fierté. Pour ceux qui n'aimaient pas la boxe, pour ceux qui aimaient la boxe, vous connaissez, il y avait Mohamed Ali. Quand il battait son adversaire, il faut voir la fierté qu'il avait avec la façon de dire, regarde, tu es KO. C'est comme ça que tu regardes ton adversaire. Quelqu'un saisit le message? Amen. Quel que soit celui qui te fait de mal, quelle que soit l'attitude, quelle que soit la situation, quelle attitude avoir, c'est la tour de vainqueur. Répète vainqueur. Il faut avoir cette attitude. Amen. Dans le psaume 112, versets 5 à 8, qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume 112? Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête et qui règle ses actions d'après la justice. J'aime bien ce passage. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste. Écoutez bien, quelle est ta mémoire ce matin? Est-ce qu'on peut lire ensemble? La mémoire du juste dure toujours. La mémoire du juste ne craint point les mauvaises. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant au pasteur Jéry. Confiant en qui? En l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut applaudir cette parole? Vous avez des doutes. Parce que les acclamations du Seigneur, ça veut dire que je suis rassuré, que maintenant j'ai ma confiance en l'Éternel. Amen. J'ai confiance en mon Jésus. Bien aimé, ça c'est la parole. Et c'est la parole qui est vivante. Ne crains point. Ici, on dit que son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Ce que je viens de dire. Vous avez compris? Ses adversaires, quels qu'ils soient. Tu manques de l'argent, c'est l'adversaire. Quelqu'un, ton voisin qui te taquine ou qui te fait tous les problèmes possibles, c'est l'adversaire. Le conflit dans le couple, c'est l'adversaire. Tout, c'est l'adversaire. Il faut apprendre l'attitude quand vous êtes en conflit. Le psaume 119, verset 165, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a beaucoup de paix. On parle de quoi ici? Que de paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Si la parole de Dieu dit, aime ton voisin, aime ton mari, enfant, honore ton père et ta mère, quel que soit l'état de ta mère, quel que soit l'état de ton père, honore-le. Amen. C'est la parole qui est en train de le dire. Amen. Si tu fais le contraire, c'est toi qui passes à côté de Dieu. Et là, on a dit qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. La loi de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Marie aime ta femme. Et la femme, oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on dit pour la femme? Sois soumise à ton mari. Tout c'est dans la composition-là, c'est la marche. Si tu respectes ça, la Bible, cette parole est effective. Alors le psaume, Luc 7, verset 7 à 14, on ne dira pas tout. Luc 7 à 14 dit que c'est ainsi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à tes supérieurs, j'ai des soldats. Donc bien aimé, il faut apprendre à faire confiance à l'Éternel. Parfois tu as envie de dire, mais j'ai envie, j'ai dit des choses, Seigneur, aide-moi, je ne peux pas. Est-ce que quand il regarde la situation,
La peur est là, exemple, ce que je vais te donner par rapport à notre frère et soeur, qui la solution n'était pas là. Mais la Bible nous dit ici que mais il y a même celui qui dit, mais oui Seigneur, mon serviteur malade. Seigneur, je ne sais pas comment faire. La gravité est là. Dis simplement un mot. Quand tu crois en Jésus, tu dis simplement, Seigneur, ma situation est celle-ci. Dis simplement un mot. Quand tu as le Saint-Esprit, libère tout. En voiture, dans la maison, en couple, où que tu sois, parle. Amen. Alléluia. Amen, amen. Parle. Alors, que faire lorsqu'on vous fait du mal? Quelle attitude avoir? Maintenant, quand on te fait du mal, qu'est-ce que tu dois faire? Matthieu 18, verset 21 à 22. Il est en train de nous dire dans ce Matthieu-là. Ah, j'aime bien les dessins qui ont été mis. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit ici dans ces choses-là? Il dit, Seigneur, il s'approcha et dit, Seigneur. Seigneur. Il s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera, suivez bien, lorsqu'il péchera contre moi, combien, Seigneur, combien de fois je vais le pardonner? Combien de fois, lorsque il péchera contre moi, sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, non! 7 fois, ça dit que 70 fois 7, ça nous fait 490 fois au total. Est-ce que tu vas pardonner quelqu'un 490 fois? Non. Ça veut dire que, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de te dire, quand quelqu'un t'a fait du mal, c'est-à-dire que le terme, que faire lorsqu'on vous fait du mal? Bien-aimé, libère ton pardon. Amen. Mais le pardon, il y en a de sens. Il y en a 3 fois le pardon que tu dois accorder à celui qui t'a fait du mal. La première fois, la première pardon que tu dois faire, c'est que ton cœur accepte de pardonner. D'accord? Tu dis que, ah, telle personne m'a fait du mal, Seigneur, tu me l'as recommandé. Je le pardonne. Ou je la pardonne. Mais la démarche n'est pas finie là. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller vers la personne qui t'a fait du mal. Tu lui dis de comment tu as souffert, de comment était cette situation. Mais je te pardonne. Et vous verrez que la personne, quand il va sentir que vraiment il t'a offensé, il finira par quoi? Il va se repentir. Et là maintenant, elle l'a dit, ou lui l'a dit, maintenant lui maintenant il va dire, pardonne-moi. Et là maintenant le pardon est définitif. Ton cœur est libéré. Si tu ne fais pas faire cette démarche, tu prends les 2 éléments, les 3 éléments que je vais dire, tu dis, ce n'est pas grave. Il m'a fait du mal. Moi, mon cœur le pardonne. Ou mon cœur le pardonne. Réfléchis, mon frère, ma soeur. Il faut que tu arrives à libérer le pardon dans ton cœur. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta situation, cours vers qui? Vers Jésus. Luc 7, verset 47. Il faut que tu apprennes. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car il a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Voilà l'équilibre. Celui
à qui on pardonne peu, aime peu. Donc nous devons essayer de comprendre toute situation. Quelle que soit ta situation, mon frère, ma soeur, tu sais que tu peux aller demander pardon à quelqu'un, la personne refuse. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ton problème maintenant? Tu as secoué la terre vers la personne. C'est son problème maintenant. Toi, tu as libéré ton cœur. Et parfois aussi, on ne peut pas lui demander pardon par un sentiment. Parce que tu dis, bon, je vais le faire. Il faut que tu penses réellement le mal que tu as fait. Si tu reconnais, tu peux lui dire que vraiment, je te fais très, très mal. Ou parfois, quand on arrive, on commence encore à refaire la genèse de la situation. Et là, ça choque encore. Mais quand tu libères ton cœur, tu dis, effectivement, je t'ai vraiment fait du mal. Pardonne-moi. Courez. Essayez de comprendre la situation. Dans Jude, il nous dit ici, il faut prier par le Saint-Esprit. Édifiez-vous-même. Édifiez-vous. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit dans ta situation est là. Quelles que soient les circonstances, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Amen. Dans Hébreux 12, verset 15, il dit... Qu'est-ce que Hébreux 12, verset 15, il nous dit ici. Donc ici, priez avec le Saint-Esprit. Il va te servir. Dans Hébreux 12, verset 15, il a te dit, allez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire qu'ici, ne garde aucune racine d'amertume. Un chrétien doit déraciner ce que Dieu n'a pas planté dans son cœur. Parce que quand tu acceptes Jésus, Jésus lave tes péchés. Jésus te sort du monde dans lequel tu étais. Jésus maintenant te purifie. Donc tu ne peux plus être la même personne. Il faut que tu saches quelle est ton identité en Christ. Il faut que tu saches quelle est l'identité en Christ. L'apôtre Paul disait cela. Il disait, parce que l'apôtre Paul étant seul, il a fait du mal. Il a persécuté les chrétiens. Mais l'apôtre Paul a fait la grande école près de Gamaliel. Ça dit que comme s'il était considéré docteur, enseignant, mais il n'était pas. Si on peut comprendre, parce que celui qui est en Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il faisait. Mais c'est parce qu'il lui manquait qu'il n'avait pas réellement Dieu. Et là, il se maillit d'enseignement. Alléluia. Donc il pourrait être un bon enseignant, mais pas transmettre la vérité. Et la vérité, c'est que maintenant Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'au jour, le moment où Jésus reçoit l'apôtre Paul, pendant que l'apôtre Paul a souffert, l'apôtre Paul a accepté Jésus, qui vit maintenant Jésus, qui part, qui fait tout ce que Jésus lui recommande. D'ailleurs, même les 14 épîtres que nous lisons, c'est lui qui a écrit. Comment quelqu'un qui était dans le mal, qui était méchant, mauvais, qui change, qui devient l'homme, qui nous parle, comme à qui Dieu touche, qui fait qu'il a écrit les 14 épîtres que nous lisons ici. Et maintenant, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul commence à avoir ce cœur-là. Le cœur, même s'il est dans sa souffrance, l'apôtre Paul a dit, tout ce que j'ai pu faire, tout ce qu'il donnait, vanité des vanités, ou tout ce qu'il faisait de la grosse tête à le pauvre, il dit, maintenant que je connais Christ, maintenant que je connais Christ, oh, je vois tout ce que j'ai fait comme cela, de la boue. Moi j'étais. J'avais un ami, et quand je le vois, il n'a pas ce qu'il a. Il a toujours, moi quand j'étais au pays, j'étais riche, mais quand j'étais. Mais maintenant, quand j'étais, tu es pauvre. Là. Tu comprends? Mais il te dit toujours sa valeur, c'est toujours quand j'étais. J'ai fait les grandes études, quand j'étais. Mais ici, je ne vois pas ça. Non. L'apôtre Paul, il dit que toutes ces choses-là, je les considère comme la boue. Maintenant, je reçois Christ. Amen. Et quand on reçoit Christ à la croix, tout a été effacé. L'ordonnance a été effacée. Mais l'apôtre Paul dit, quand il est en train de vivre une situation, bien aimé, j'ai cette foi.
Je prie pour que j'ai une foi encore plus grande. Bien aimé, l'apôtre Paul dit que maintenant je connais la résurrection de Christ. Maintenant je connais la puissance de Christ. L'apôtre Paul cherche la foi. Maintenant que l'apôtre Paul connaît la résurrection de Christ, l'apôtre Paul vit la résurrection de Christ. Alléluia. Et donc le pouvoir de Christ est en lui. Le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Et l'apôtre Paul, dans cette situation, quel que soit ce qu'il fait, dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, quel que soit ce que tu penses que c'est impossible, ce n'est pas toi qui vis. Qui vit en toi? C'est Jésus. Qu'est-ce qu'on peut acclamer cette parole, bien-aimé? Mon frigo est vide, mon congélateur est vide, mon compte bancaire est vide, mais confie-toi à l'Éternel. Parce qu'il a dit qu'il est mon berger, je ne manquerai rien. Alléluia. Il me fait reposer dans le verbe pâturage. Comment on entend le mot verre? Ce n'est pas dans le verbe séché, mais c'est dans le verbe pâturage. Le brebis, quand il envoie, comment dirais-je, quand il envoie ses brebis pour aller manger, et qu'est-ce qu'il fait? Il va leur donner le verre vert. Alléluia. Un bon verre. Pas séché, mais un bon verre. Et il dit qu'il restaure mon âme. Bien aimé, quand on va au restaurant, quand tu as faim, tu arrives au restaurant, tu peux commander, tu dis, mange ce que tu veux. Mais le mot restaure vient du mot restaurant, n'est-ce pas? Donc quand tu vas au restaurant, n'est-ce pas qu'après tu es rassasié? Et maintenant Dieu te dit, je restaure ton cœur. Quand tu viens du restaurant, donc ton cœur aussi est restauré. De la même façon. Alléluia. Donc c'est comme ça qu'il faut voir la présence, la puissance de Dieu. Ne crains point, pourquoi vous êtes venu à l'église? Si vous ne connaissez pas la valeur qui est à la croix de Golgotha, que Jésus a effacé l'ordonnance. Oh, moi j'ai une maladie là, tu commences à citer toute cette maladie tous les jours. Oh, moi j'ai mon handicap là, tu commences à citer ton handicap. Bien aimé, non. C'est que tu ne connais pas le Jésus. Cette ordonnance a été effacée. Mais vous savez que le diable, il est malin. Il est brigand, il est voleur, il est rusé. Il peut peut-être dire que j'ai prêché cette ordonnance pour dire que cette ordonnance existe. Mais non, elle n'existe pas si tu as la connaissance. Je disais tout à l'heure, à la croix de Golgotha, l'acte a été effacé. Par notre faute, notre ignorance me fait dire cette connaissance, me fait écarter cette connaissance. Mais oh Dieu, cette situation, pourquoi je vis cette situation? Alors que Jésus, il a pris ma situation. Alors que Jésus, à la croix, il a pris. Mais pourquoi je vis ça? Pauvre diable. Tu vas mourir, hein, de dépression. Là, maintenant, tu as la connaissance. Tu dis, tiens, tu es en train de me donner cette situation. Tu crois que moi, le couple qui se chamaille, ces jours-là, tu dis, oh, pauvre diable. Tu crois que moi, je vais marcher dans ça? Ça, c'est le diable qui est en train de faire une photocopie parce que tu es rusé. Tu es accusateur. Il faut le dire, tu es en train de créer quelque chose qui n'existe pas. Mais je connais, je te définis, je sais que tu es malin, tu es brigand, tu es voleur, tu es rusé. Tu utilises tous les moyens pour que je sorte de mon Jésus que j'aime. Moi j'ai confiance à qui? À mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors donc ne garde pas aucune racine de mal, d'amertume. Mon frère, ma soeur, examine-toi maintenant. Si tu as de l'amertume, qu'est-ce qui nous traduit le mot amertume? Amer. Quand tu as un cœur amer, qui tu es maintenant? Moi, je prends tout le temps l'aloe vera que je cultive moi-même. Mais c'est amer. Quand je donne à ma femme, je dis, c'est amer. Mais maintenant, si tu as un cœur amer comme ça, quelle est ta vie? Quelle est ta relation entre toi et Jésus? Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a vaincu les morts. Il t'a donné quoi? La paix. Soit sa paix. La paix de Jésus, c'est ça qui doit mettre dans ton cœur. Quelles que soient les circonstances, j'ai la paix du Seigneur. On vient de chanter ici, il n'est qu'un point. Alléluia. Donc, dans que faire lorsque on marche sur vos plates-bandes, il faut que tu fasses quelque chose. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 6, il nous dit ici que pour tout, paraphrasé, dit que soyez déterminé à agir dans l'amour. Lisez ce passage. Regardez bien. Regardez bien quand on parle de l'amour. L'amour
Et est-ce qu'on peut lire ensemble? Bien aimé, si vous mettez ça en pratique, les choses de Dieu changent dans votre cœur. Alléluia. L'amour est patient. L'amour, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ça dit que soyez déterminés à agir dans l'amour. Dites amen. Amen. Ce n'est pas une équation, ça. C'est le principe de Dieu. C'est Jésus qui te recommande que dans l'amour, on ne fait pas de calcul. On ne soupçonne pas. Quand tu aimes ton mari, quand tu aimes ta femme, quand tu... Moi, j'ai fait confiance à mon frère juste. Je ne cherche plus d'entendre que le frère juste a parlé des choses. Parce que mon amour que je mets en moi me garantit qu'il ne dira rien de mal. Parce qu'il y a l'amour de Dieu vis-à-vis de moi. Amen. Donc voilà, bien-aimé, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Soyez déterminés à agir dans l'amour. Retenez ce passage, l'amour est patient. C'est patient, bien-aimé. Il y a des couples qui se marient, vous allez voir des conflits qui commencent, mais ils ne comprennent pas que l'amour doit être patient. Il y en a au bout de quelques jours, non, j'aime plus parce que j'ai fait des erreurs. Mais non, tu dois être patient. Apprends à connaître l'homme, apprends à connaître la femme. Matthieu 7, verset 1 à 25. Il faut apprendre vous-même. Vous allez lire vous-même chez vous. Mais pour dire en gros, jugez-vous vous-même. C'est-à-dire que il faut que toi-même, parfois nous avons tendance à accuser les autres. Parfois tendance à juger les autres. Mais toi-même, est-ce que tu te connais? Il y a un passage dans le psaume 139 qui dit, mais regarde le Seigneur. C'est-à-dire que c'est comme s'il est en train de se défendre. Il dit, regarde, je vais comment ils sont en train de te faire du mal. Comme si lui, les doigts ne se tournent pas contre lui-même. Toi-même remarque, dis, mais ah, à la place là, moi je parle aussi mal. Hein. Juge-toi toi-même. Ah, même mon époux là, vraiment, il est méchant, il dit des choses. Mais c'est à toi de savoir aussi, est-ce que toi-même, qu'est-ce que tu es toi-même? Tu es, est-ce que vraiment tu es exactement ce que tu penses être? C'est les autres qui te diront. Mais toi-même, tu ne te sais pas. C'est pourquoi il faut que tu te juges toi-même. Oh là là, je crois que c'est moi aussi. Hein. Parce que quand ma femme arrive, je la provoque. Ou quand mon mari arrive, ou même nos enfants, ils sont irrités. On dit toutes les choses. Et les enfants sont irrités. Il n'y a pas de paix dans la maison. Éphésiens 4, verset 29 à 32, que vous lirez. Prenez garde à ce que vous dites. Mets un frein dans ta bouche. Le psaume 143 dit, mets un frein dans ta bouche. Mets un frein dans ta bouche. Avant de parler, tourne ta langue. Prenez garde à ce que vous dites. Je me souviens, j'avais regardé un reportage. Un monsieur qui, simplement parce qu'il veut tromper sa femme, donc malheureusement il ne savait pas que sa femme était là, qu'il pouvait écouter tout ce que le mari disait à sa maîtresse, ou alors peut-être c'est la femme qui cherchait à filer son mari, mais du coup elle est tombée, mais il s'est caché quelque part, et maintenant il entend tout ce que le monsieur est en train de dire. Il est en train de dire que, oh là là, ma femme là, elle est vilaine. Il a dû dire à sa maîtresse de sa propre femme que ma femme elle est vilaine. Maintenant la femme a compris, elle est revenue à la maison. Elle a mis tous les moyens possibles pour devenir très belle. Vraiment belle. Au point de dominer sa maîtresse.
Et quand il revient vers son mari est en train de la trouver vraiment belle. Maintenant, il est en train de dire à sa femme, qu'est-ce que tu es belle? Dis-moi, est-ce qu'elle va construire ses paroles ou laquelle elle va construire? Donc, faisons attention à ce que nous disons. Moi, mes enfants, quand ils grandissaient, la première, ce que je disais à mes enfants, je dis qu'ils doivent respecter un homme, quel qu'il soit. Pauvre, ou riche, ou je ne sais pas quoi, vilain ou pas vilain, tu ne dois pas insulter un garçon. Tu dois apprendre à respecter l'homme. Alléluia. Matthieu 5, verset 9 à 12, ça, nous terminons par là. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Restez dans la joie. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, on est dans la joie. Alléluia. Restez toujours dans cette attitude de joie parce que tu connais qui est Dieu. Parce qu'il t'a procuré la paix. Jésus t'a dit que je te procure ma paix. Ce n'est pas la paix quand tu es riche, quand ton congélateur est fourni. Quand les choses marcheront, ne marcheront pas, maintenant c'est la tristesse. Maintenant c'est la dépression. Et parce que tu avais la paix de qui? De l'homme. Mais quand tu as la paix du Seigneur, tu dis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai rien. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Il est en train de dire ici, réjouissez-vous. On lit ça ensemble, on termine. Mettez-vous debout. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense, bien aimé, regardez simplement du fait que simplement, que tu sois dans l'allégresse, il dit que réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. On va t'insulter. Au travail, nous avons peur de dire de Dieu, parce que tu as peur. Mais eux, ils n'ont pas peur de dire maintenant ce qui est de la vie actuelle. Peuvent dire tout ce qui est pervers. Ils se permettent. Mais nous, on se dit, ah, si je dis ça, j'aurai des problèmes. On va te persécuter pour à cause de Jésus. Alors, en conclusion, on va chanter ce chant. Maintenant, médite, mon frère, ma soeur, dans tout ce que je venais de dire. Est-ce que tu as la paix du Seigneur? Soyons déterminés à agir dans l'amour quand Jésus n'a pas réagi avec colère. C'est par obéissance à la parole de Dieu que Jésus Christ avait chassé le marchand parfois dans le temple. Il n'avait pas réagi par colère. Il ne voulait pas simplement que la maison de Dieu soit un lieu de commerce. Je suis en train de dire que j'aime Dieu. Mais ta maison n'est plus une maison de commerce. Tu as seulement en train d'exploiter le nom de Jésus, mais qui n'a rien à voir avec lui-même Jésus. Parce que c'est l'extérieur qui est différent à l'intérieur. L'extérieur, moi je suis chrétien. Mais l'intérieur, c'est les œuvres de la chair que tu pratiques. Il y en a qui pratiquent la paix, les œuvres de la chair. La médisance, oui, les colibés, les pratiques, les choses qui ne plaisent pas. Jésus te recommande le fruit de l'esprit. Mais toi, tu pratiques les œuvres de la chair. La colère dans le foyer. De l'amertume. Ça ne marchera pas quand tu as de l'amertume. Parfois, tu es en duplicité. Parfois, on te voit que tu crois en Jésus ou tu pratiques, mais à la fin, ce n'est pas la même chose.
Tu ne trompes pas Dieu parce qu'il est omniscient. Il sait sonder ton cœur. Je connais ton cœur. Tu passes pour un vivant, mais tu es mort. Apocalypse 3:8. Chantons ce chant. Médite maintenant, mon frère, ma soeur. Comment tu vois ton foyer? Comment tu vois ta vie au travail? Comment tu vois ta vie à l'église? Vis-à-vis de tes frères et sœurs, comment tu les critiques à longueur de journée? Quand vous voyez le parler de Dieu, on parle que des autres. Mon Dieu, si grand est ton amour, des cieux. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre
toujours. Mais ne donnez pas aussi l'occasion au diable. Parce que toi, tu vas croire que ça, ça vient seulement de Dieu. De la façon que Job pensait que son malheur, c'est Dieu. Parce qu'il était intègre à Dieu. Il était visité par Dieu. Mais non, l'ennemi viendra. Toi, tu sais que c'est lui qui viendra. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a vaincu quoi? Le monde. Donc, toi, tu dois te construire comme quoi? Vainqueur. Vous êtes d'accord? En toute situation, tu as mis KO ton adversaire. Ça dit que chaque situation, tu as mis KO. Et Jésus qui combat pour toi, il combattra pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il combattra pour toi. Amen. Seigneur, arme-moi de tes armes spirituelles afin de lutter contre les ruses de l'ennemi. Ne donnez pas l'occasion au diable. Il nous cherche tous les jours, mais ils viendront et nous ne trouveront pas. Car le fleuve de vie coule en nous. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Est-ce que tu connais cette parole? Mais par ton ignorance, tu as oublié la croix. Que Jésus a vaincu le monde. On vient de le lire, que j'ai vaincu le monde. Alors nous devons rechercher la paix et la poursuivre. Soyons désireux, bien-aimés, de renoncer à nous-mêmes en faveur de quoi? En faveur de la paix. Amen. Dis la faveur de la paix. La paix, la paix du Seigneur. Amen. Élevons nos voix. Seigneur, je vous ai cette paix. Seigneur, parfois des manques, parfois des tribulations sont là, parfois des doutes, parfois moi-même je ne suis pas prêt, parfois je passe à côté, je perds ce que j'ai reçu de toi, mais Jésus de Nazareth, cette fois-ci c'est ta paix que je veux, donne-moi ta paix, dans mon couple, enlève les querelles, les disputes, les mensonges, toi enfant, au nom de ton père et ta mère. Reste dans cette paix-là. Toi qui crois être malade, reste en paix. Parce que Dieu, c'est lui qui guérit toute maladie. Ne crains point. Ne crains point. Lève ta voix. Lève ta voix. Dis-le. Merci. Quelles que soient les circonstances, l'adversaire, le Covid, c'était notre adversaire. Le Covid, c'est notre adversaire. Mais il est vaincu. Au nom de Jésus. Comme un vainqueur. Comme les forceurs amis. Oui, c'est comme ça que tu vois la situation. N'aie pas peur. Au nom de Jésus. Gola Kachana Banaka Kenya Dolo Banaka Shana. Et le bon va dire, et le bon va. Je voudrais voir l'église prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma vie en nom de main. La paix du Seigneur. La paix du vainqueur. Jésus vainqueur. Jésus qui a vécu le monde. Et moi je suis sûr. Que tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Je n'ai pas peur. Tu es mon berger. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Au nom de Jésus. Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore confessé dans ton cœur comme étant ton Seigneur et Sauveur. Lève ta main au Dieu. Ou encore tu n'as pas encore reçu totalement, mais tu veux renouveler Dieu. Mais Seigneur, je l'ai dit, mais sans rien, sans vraiment, sans plus. Mais cette fois-ci, je voudrais, Seigneur, le faire. Parce que je suis convaincu que tu es mort à la croix et que je ne peux plus douter. Les deux éléments-là ne me quitteront plus. C'est des années la douleur, le manque de connaissance, l'ignorance et aussi la désobéissance. Seigneur, amène-moi à vivre dans l'obéissance et vivre le fruit de l'esprit au détriment de l'œuvre, des œuvres de la chair. Merci Jésus. Merci Jésus.
Tu es le roi de sauver.
pouvez lever la voix ce matin pour dire Seigneur, je t'accueille. Je t'accueille en moi, je t'accueille, prends toute la place. Si tu ne peux pas passer à côté de sa présence, ne sois pas distrait ce matin. Dis-lui Seigneur, je veux voir, je veux expérimenter de nouvelles choses avec toi. Et je veux accueillir ta présence. Je veux accueillir ta présence, Seigneur. Alléluia. Oh la baba baba, c'est qu'elle est bas. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Oh.
Thank you.
Merci Jésus pour ce que tu as fait sur la croix. Nous avons libéré.
venir dans sa présence avec nos louanges parce qu'il est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire mon Dieu est bon? Est-ce qu'on peut le répéter encore une fois? Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Amen. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est très bon.